Tenez. Quoi ça? Votre pyjama, monsieur. Oh oui. Merci. Je vous en prie, le dîner est prêt. Pardon? Le dîner est prêt. Oh, ok. Merci. Je vais me changer rapidement et puis je viens. Je viens prendre le dîner. À tout à l'heure. D'accord, monsieur. Merci bien. Pas de quoi. Merci. Arrête. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête ça, s'il te plaît. Soyez relax. La journée a été très chargée. Mais tu sais, je peux le faire moi-même. Écoutez, monsieur, je veux juste vous tenir compagnie. Allez manger. Merci. C'est un peu gênant, tu trouves pas? J'ai l'impression que je ne suis pas la bienvenue dans cette maison. Non, ne dis pas ça. Je travaille pour vous depuis un an maintenant. Nous sommes habitués l'un à l'autre, alors pourquoi est-ce que vous avez honte de moi, monsieur? Écoute, cela va prendre du temps pour que je m'habitue, ok? Je me sens mal à l'aise que tu viennes faire le ménage dans la maison de ton patron, tu vois. Je le fais volontairement et ça ne me gêne pas du tout. Vous savez comment je travaille au bureau. Je prends mon travail très au sérieux. Ça fait partie de ma nature. Je sais très bien que c'est ma cousine Confort qui a provoqué tout ce stress, oui. À vous et votre famille en partant au village. C'est pour ça que je suis venue la remplacer. Alors s'il vous plaît... Ok. C'est bien compris. D'accord. Je pense que je devrais plutôt faire preuve de reconnaissance. Ouais, c'est ce que j'attends de vous, mon boss. Attendez, monsieur. S'il vous plaît. D'accord. Merci. Who run the world, girls? Who run the world, girls? Hey, salut bébé. Regardez qui est de retour. Pas encore endormi? Non. Je t'attendais, bébé. Vraiment? T'as pas l'habitude de faire ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as manqué. Hein? Tu m'as vraiment manqué, mon amour. Arrête. Oh, bébé. Attends, attends. Tu sais qui j'ai rencontré à la fête? Qui? Monsieur McCarthy. C'est un sacré fêtard, ce monsieur. Ouais, je ne l'avais pas vu depuis des années. Bébé, bébé, enlève ça, s'il te plaît. Non, bébé, pas aujourd'hui, je suis bébé, fatiguée. Bébé, j'ai envie de toi. Arrête. Attends, bébé, non, chérie. Bébé, écoute, oh, écoute. Quoi? J'ai dansé sur ses talons pendant 4 bonnes heures. Je ne t'ai pas vu depuis 6 heures du matin, jusqu'à maintenant. Je suis désolée, mais je saurais me rattraper, mon amour. Je n'ai pas fait ça depuis des mois, bébé, tu comprends? Tu as raison, mais pas aujourd'hui, désolée, je suis fatiguée. Il faut que je prenne un bain. Je suis crevée. Oh, bébé, je vais me rattraper, promis. Aujourd'hui, c'est impossible. Ma belle, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Comme ça, Annabelle va se marier. Oui. Tu sais quoi? Dans quelques mois, je serai Madame Adélabo. Je suis vraiment heureuse pour toi, mais je t'envie. Oh, voyons. Écoute, ton jour arrivera bientôt. Mais dis-moi, ma belle, comment se fait-il que tu te retrouves dans la maison de ton patron? Que veux-tu dire par me retrouver? Je n'en sais rien. C'est juste le destin. Alors... Est-ce que tu as l'intention de... De quoi? S'il te plaît, arrête tout le temps, je n'ai rien à te dire. Je fais juste le ménage, c'est tout. Tu es sérieuse là? Quoi, Jace? Ce n'est pas du tout vrai. Tu n'es pas stupide. Tel que je te connais, tu n'accepteras jamais de faire le ménage pour un autre homme. Je sais que tu es en train d'étudier l'environnement. Et après avoir fini de l'étudier, tu frappes. Mais voyons, dis-moi, c'est quoi ton secret? Nous sommes amis, n'est-ce pas?
Pour être sincère avec toi, ce n'est pas que je veuille rester toujours auprès de mon patron et en allant faire le ménage dans sa maison. Mais tu sais quoi, certaines femmes sont vraiment stupides. Je t'assure que Madame Anayo est la femme la plus stupide que j'ai jamais rencontrée. Elle fait tellement confiance à son mari qu'elle laisse les employés de la maison faire tout ce dont son mari a besoin. Attends, t'es sérieuse? Elle ne fait pas la cuisine, elle n'essuie pas la maison, elle ne fait absolument rien. Mais est-ce que c'est mauvais si elle ne fait pas la cuisine? La plupart des femmes ne font pas ces tâches. D'ailleurs, la cuisine et le nettoyage sont réservés aux femmes. Oh. Que font les hommes? Anna, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas du tout ce que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'elle n'est jamais disponible. C'est comme si Monsieur Anayo est un homme célibataire marié. Tout ce qui l'intéresse, c'est la fête. Les commérages avec ses camarades, au point où elle néglige le fait qu'elle est en fait une mère et une femme mariée en plus. Je suppose qu'au moins elle est bonne au lit. Hein? Durant toute cette semaine, j'ai vu tellement de choses. Elle ne rentre jamais tant que monsieur ne s'est pas encore endormi. Alors quel temps ils ont pour avoir de l'intimité? Mais n'ont-ils pas des enfants? Comment est-ce qu'ils arrivent à s'occuper d'eux? Le plus petit garçon a 5 ans. Attends. Cela veut dire qu'ils sont mariés ça fait plus de 5 ans? Bien sûr que oui. Waouh, ce n'est pas bien. Le mariage a besoin de fonctionner. Chaque conjoint doit ajouter un peu de piquant à son quotidien. Sinon tout devient ennuyeux. Ma chère. Mais dis-moi, si Monsieur Anayo ne fait pas ça avec sa femme, avec qui il le fait alors? Jessica? Jessica? Madame? La porte, s'il te plaît. Si Mahomet ne va pas à la montagne viendra à Mahomet. Peu importe. Tu es toujours fâchée contre moi. Pourquoi demandes-tu ce que tu sais déjà? Ok, je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de t'énerver l'autre jour. Pardonne-moi. Tu es vraiment énervante. Allez, viens dans mes bras. Sois la bienvenue. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as manqué, toi aussi. Je ne t'ai pas vu au dîner de gala l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le père de mon fils était en ville, alors je n'ai pas voulu qu'il me voie là-bas. Je ne comprends pas. Je suis mariée et avec des enfants également. Mais je fais ce que je veux. Personne ne contrôle mes allées et venues. Je n'ai aucune contrainte. Mais toi? Oui, je sais. Toi, tu es célibataire. Et tu t'empêches de sortir à cause du père de ton fils. Ce n'est pas ça. Tu sais que je compte énormément sur le père de mon fils. Eh bien, je compte également sur mon époux. Mais ce n'est pas pour autant que tu le vois m'empêcher de faire ce que je veux. Alors, ça, s'il te plaît, ne dis pas ça, ok? Anayo est différent. C'est un mari exceptionnel. Tu es chanceuse, ma chérie. S'il te plaît, ne répète pas ça. Tu sais quoi? Il faut faire bouger les lignes, ok? Prends tes propres décisions. Si tu regardes aux hommes, ils vont te marcher dessus. Et tu deviendras leur esclave. Tu dois faire bouger les lignes. Voilà comment ça fonctionne. J'ai compris. Enfin, que puis-je dire? Je compte sur le père de mon fils. Continue. Compte sur lui, vas-y. À propos. C'était la nouvelle servante. Je parle de la demoiselle sexy qui est venue m'ouvrir la porte. Sexy? Oui, elle s'appelle Jessica. Elle, c'est la secrétaire de mon mari. Elle est vraiment très efficace. Et vraiment bonne. Enfin, sa cuisine. Oh, sa cuisine est vraiment délicieuse. J'ai de la chance de la voir. Est-ce que tu as senti son parfum? Son parfum? Il a quoi son parfum? Le parfum que cette fille utilise est très très séduisant. Tu dis... Je dis séduisant. Ce n'est pas amusant. Mais tu, s'il te plaît, changeons de sujet, s'il te plaît.
séduisant, mon Dieu. Je t'en prie, oublie ça. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu m'as apporté aujourd'hui? Rien. Salut, mec. Ça va? Ça va, frangin. Tu es arrivé au bon moment. Tu es sérieux, là? Comme ça, tu manges. Allez, tout seul. Joins-toi à moi pour manger. Je meurs de faim. Comment tu veux? Je vais bien. Et toi? Aussi bien. C'est très doux. Oui. C'est délicieux. Tu as mangé du piment? Il me semble. Mais dis-moi, mec, où est-ce que tu as acheté cette nourriture? Je ne l'ai pas achetée. Vraiment? C'est Jessica. Ouais, c'est vieux. C'est elle qui l'a préparé. Elle fait très bien la cuisine. Ouais. Waouh. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a appris à faire une telle cuisine. Apparemment. Enfin, à propos. Elle te fait à manger. Elle emballe ton petit-déj. Elle s'occupe de la maison. Et très bientôt, elle commencera à prendre soin de toi dans la chambre privée. Quand je vais te traiter d'idiot, tu diras que je t'assume. Frangin, c'est genre, vrai. Tu m'arrêtes ces enfantillages. Non, je veux que tu arrêtes de parler de ma secrétaire. Attends, attends, te fâche pas. Mais tu sais très bien que la fille prend soin de toi. Mon ami, mange. Bien sûr. Ok, ça va. Prends de la viande, célibataire, et ne te fâche pas surtout. Je suis vraiment désolée, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Jessica, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne savais pas que vous étiez sous la douche ou je suis venue déposer vos chemises, pardon. Ok, ne t'en fais pas. Pose-les là et sors, s'il te plaît. Je dois m'habiller et descendre au salon. Allez, vas-y. Ok, je les dépose sur la coiffeuse. Ok, vas-y. Désolée. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. La nourriture est dans votre voiture. D'accord. J'ai constaté que tu n'as pas lavé les assiettes depuis la nuit dernière après le dîner. Que s'est-il passé? Oh, je suis vraiment désolée, monsieur. Je suis allée faire un tour dans ma chambre et je me suis endormie. Désolée. T'en fais pas. Je te comprends. Okay. Mais la prochaine fois, il faudra faire de l'effort. D'attendre que je finisse. C'est compris. Autre chose, la porte de la chambre. Il faut bien t'assurer qu'elle soit fermée. D'accord, monsieur. Avant que tu ne t'endormes, bien sûr. D'accord, monsieur. C'est très important. Tu peux faire ça, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Bye. Merci d'être venu me rendre visite. Ma belle, sans toi, la vie est vraiment ennuyeuse dans ce bureau. S'il te plaît, mets fin à tes congés. Mettre fin à quoi? Arrête ça, ce n'est pas possible du tout. Toi, je te vois venir. Mais attends, Jess. J'espère que tu ne passeras pas tes congés inutilement ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois savoir que tu aimes ton patron. Qui n'aime pas les bonnes choses? En fait, je pensais que ton rêve s'était déjà réalisé. Je l'imagine déjà en train de tomber amoureux de toi. Exactement comme ça se passe dans les telenovelas. Ma chère, monsieur sait très bien où il va. Il m'ignore complètement. Tu en es sûre? Tu sais quoi? Je ne me rappelle même pas du nombre de tenues sexy que j'ai portées dans cette maison. J'ai fait en sorte qu'il voit ma poitrine, même mes cuisses. Ce monsieur est un faux type. Ma chérie, c'est un robot. Je te comprends, ma chérie. Ma belle, sache que ce genre d'hommes, ils sont très forts, mais ils deviennent toujours les plus faibles à la fin. Il y a toujours une stratégie pour les séduire.
Alors, si tu étais à ma place, tu ferais quoi? Est-ce que tu veux vraiment le séduire? Je ne sais pas. Bref, ce genre d'hommes ont toujours besoin qu'on leur offre des petits cadeaux. Fais-lui des surprises parfois, je suis certaine qu'il succombera. Surprise? Ce n'est pas son anniversaire. De toutes les manières, je sais que tu trouveras une tactique. Excuse-moi, mais il faut que je m'en aille parce que je dois aller chez mes parents ce week-end et m'apprêter pour les présentations. Oh, regarde-toi, tu as de la chance. T'inquiète pas, ton tour arrivera, ok? Mais non, prie pour ta sœur. Bien sûr. Hé, hey, excuse-moi. J'ai remarqué que tu mets les parfums sensuels. Ah bon? Tu réponds à ma question par une autre question? Oh, je suis désolée, madame. Je dois retourner dans la cuisine, je fais à manger. Hein? Reviens ici tout de suite! Hé! Hey! Ah. Ma chérie. Je lui parle et elle s'en va. Je suis là, je suis là. Désolée. Et voilà. Eh bien. Quoi? Pourquoi cette mine? Tu t'imagines? Quelle effronterie! Ta soie, disant servante, est très impolie. Elle est très très impolie. Jessica? Bien sûr. Je lui ai tout simplement fait savoir que j'ai remarqué qu'elle met un parfum trop sensuel. Et elle a fait mine de ne rien entendre. Elle s'est foutue de moi. Betty, tu la connais, n'est-ce pas? C'est la secrétaire de mon mari. Elle n'est pas... une servante typique. Je me fiche de savoir ce qu'elle fait dans l'entreprise de ton mari. Mais dans ta maison, elle est ta servante. Une servante. Ça va, ça va. Tu as raison. Je vais lui parler, d'accord? Tant mieux. Merci. Maintenant, regarde ça. Regarde. Est-ce que tu vois cet ensemble? Hein? Quand nous irons à la soirée. Regarde ça. C'est joli. Tu dois faire ton possible pour en acheter un. J'ai commandé celui-ci et celui-ci me plaît beaucoup. Essaye de nous imaginer un peu avec ça. Dora, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller à cette soirée? Tu es aveugle ou quoi? Mais pourquoi cette question? Tu ne vois pas cette belle robe? Oh, arrête, s'il te plaît. Je pense que tu devrais rester à la maison jusqu'à ce que Comfort revienne du village. Et pourquoi? Ouvre les yeux. N'est-il pas évident que ta soi-disant servante a quelque chose en tête? Betty, je pense que tu te trompes. Tu vois cette fille? Mon mari la considère comme une machine. C'est une fille qui travaille vraiment très dur. Et sincèrement, je l'apprécie beaucoup plus depuis qu'elle est ici. Alors je t'en prie. Dora. Betty, je t'en prie, ne recommence pas. Je sais ce que je dis, Dora. Je n'aime pas le regard qu'elle affiche. Il semble qu'elle est prête à faire quelque chose. Ça va. Je vais la surveiller. Mais ne pense pas que tu n'iras pas avec moi cette soirée. C'est hors de question. Je t'accompagne chez toi, tu vas te changer pour qu'on y aille. D'ailleurs, mon mari n'est pas un coureur de jupons. Il ne sait même pas comment courtiser une femme correctement. Même les meilleurs maris se font avoir par ces loups déguisés en brebis. Je sais de quoi je parle. Oh, Betty, tu es vraiment très drôle. Vraiment? Bien sûr que oui. Quelle femme sensée accepterait mon ennuyeux mari? Oui, il est plus qu'ennuyeux. S'il te plaît, ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète-toi plutôt pour le père de ton cher fils. C'est lui qui doit te donner de l'argent pour notre voyage, ok? Hey, oh balaba. Chai. Wow. Hey. Non, mais quelle beauté. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu me plais. Donne-moi juste une chance, hein, Jesse. Ne dis plus jamais mon nom. Tu m'entends? Bouche sale, ne le dis pas. Alors tu veux dire que ma bouche est sale?
Mais ces lèvres-là savent bien embrasser. Les bises bien sensuelles. Tu n'es pas sérieux. Oh, tu sais, Jessie, tu me fais craquer. Hein? Est-ce que tu sais que je couche avec toi tout... Pardon? C'est dans mes pensées. Calme-toi. Ça vaut mieux pour toi. Tu sais quoi, même la nuit dernière, j'ai fait un rêve. Nous étions ensemble, au clair de lune. Tu dois être malade, toi. Tu es cinglé, idiot. Aïe! Mais tu me rends fou, toi, hein? Aïe! Léo? Ah, oui, patron. Soyez le bienvenu. Merci, Léo. Comment vas-tu? Je vais être très bien, monsieur. Ok. Ramène ça au salon. Soyez le bienvenu, oui, monsieur. Jessica, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Je peux? Non, ça va. Laisse, il peut le faire. Non, monsieur. Ne vous en faites pas. Il doit laver votre voiture maintenant, donc... Monsieur, je peux l'emmener à l'intérieur. Je laverai la voiture quand je... Ok, monsieur. Jessica peut l'emmener à l'intérieur. Je vais laver la voiture maintenant. Oh, bah là-bas. C'est bien. Tu peux le déposer sur ce meuble, merci. Tu es encore ici? Oui. Et qu'est-ce que tu attends? Je veux vous servir. Me servir? Jessica, ça ne fait pas partie de tes tâches, tu sais. Je le sais. Je veux vous aider à changer. À prendre une douche. Et... aller servir votre dîner.